Salut à tous, c'est Gon, on se retrouve sur Fossil Echo, qui est un platformer aventure qui est sorti le 8 juillet dernier, donc il n'y a pas très longtemps. Il a 15€ sur Steam, c'est développé par AkaWeb, qui je crois est une équipe française. Alors, on est un garçon qui est en train d'escalader une tour, pardon. Je sais pas trop pourquoi, pour l'instant j'ai que 20 minutes de jeu. Le jeu se dit beau, et oui, il est assez incroyablement beau par moment. Vous le verrez, il y a des cinématiques qui sont... tout animé, tout ça, c'est tout dessiné à la main, donc c'est sympa. Regardez, c'est quand même pas moche, quoi. Alors là, je sais pas trop ce que ça va être, parce que c'est le deuxième feu de camp auquel je me pose, et le premier, c'était un espèce de flashback avec un donjon... Merde, je veux descendre. Avec un donjon comme ça, là, à gauche, qui était super chaud. Donc on va voir si c'est super chaud, là aussi. Je sais pas si je suis obligé de le faire, je suis pas sûr. Mais bon, moi, je suis un tryhard. Ah oui, ces donjons-là. C'est pas les trucs les plus beaux du jeu, en plus, c'est dommage, mais bon. On va voir, je vais essayer un peu. Ah ok. Et comme c'est pour une vidéo, si j'arrive pas trop, bah j'abandonnerai. Ça passe. Ça passe. Ok, c'est bon, je suis à un endroit safe. Alors, oh là, ça va être chaud là. Je peux aller à gauche. Non, faut que j'aille à gauche, ok, après. Allez, raccroche-toi. Ok, merde. J'aurais pas dû me précipiter. J'aime beaucoup, moi, les platformers comme ça. Il a un gameplay assez précis. Je voulais pas du tout faire ça. Je voulais réessayer une autre fois, donc on va réessayer une autre fois. Enfin, j'ai une autre fois, ça peut très bien être 5 fois, selon mon tryhard. Ça dépendra de l'effet, quoi. Si je vais assez loin, ce sera pas mal. Sinon, je suis obligé de réessayer. Voilà, c'est bon. Ok, hello. Ok, là il y a une main sur le mur qui me dit de prendre le temps. Alors, ok, là il faut juste que je cours, c'est ça? J'ai pas eu le timing. Je réessaye, je m'en fous, je réessaye. Je le sens bien. Ok, j'ai fait de la merde. Ah putain, mais... Et vous voyez qu'il y a les premières flèches qui commencent à pas sur la porte, histoire de me dire, mais t'es pas obligé en fait hein, si t'es mauvais. Pourtant je suis mauvais et je me sens obligé. Ça passe. Allez, bouge-toi. Oh. Et vite. Ah, ben non. Eh ben non, là c'est trop tard. Je suis en retard. Non mais non, là il s'est pas accroché alors que j'ai touché la plateforme. Totalement péter le rythme, mon commentary, ce passage, c'est pas grave. C'est bon. Ouais, mais ouais, en fait, il était pas obligé de. Je croyais moi qu'il allait rester dessus, bon, on se casse, parce que là, ça me gonfle. J'étais pas loin de finir le truc quand même. Je sais pas ce que ça nous rapporte en fait d'arriver à faire ces donjons. On va voir si je fais pas celui-là, ce que ça me rapporte. Je peux me casser quand même, ou je peux me casser quand même. Et on devrait arriver sur quelque chose de plutôt joli. La dernière fois qu'on était dans la rive, c'était pas moche. Ah bah voilà. Est-ce que je peux te parler? On n'a pas beaucoup d'interactions avec les environnements. Ah. Donc là, c'est bon, ça veut dire que je peux interagir. Et je vole un fruit. Sympa. Et un grand classique des vagabonds. On continue. Qu'est-ce qu'on fout là? L'autre fois, on était sur une île tropicale dans ses souvenirs. Alors toi, je sais que je vais te parler. Le vieux sage. Ah! Je lui donne le fruit, d'accord. C'est pas pour autant qu'il veut interagir avec moi. Peut-être ça aura une répercussion plus tard, je sais pas. Hello! Oh, un autre, mais c'est pas possible. Bon, je vais essayer comme j'ai bien réussi celui d'avant, pourquoi pas. Je sais pas si j'ai le choix de toute manière. Ah putain! Bon. Ok, bon bah voilà, c'est plié. Au moins. C'est fait, les plateformes s'écroulent, ça va être une partie de plaisir, ça, quoi. Bon, en général, quand un jeu vous dit qu'il est compliqué dans sa description, c'est que lol. Il s'est pas accroché, je suis mort. J'étais pas loin. Pas loin de faire un tiers du tableau. Vous savez, mettre plus longtemps pour laisser le temps de réfléchir, peut-être.
Ouais, alors je voulais pas faire ça, clairement. Pourquoi tu t'es pas accroché au lieu de te poser dessus? C'est pas grave. Je t'en veux pas trop pour l'instant. Non, je me casse pas tout de suite, je suis désolé. Mais j'étais pas mort en plus. C'est insupportable par contre. Il se sont pas accrochés là. C'est parce que j'ai pas appuyé, je suppose. Ah, ma manette qui se débranche, et oui. J'utilise toujours cette vieille astuce de manette de PS4. Tant que j'ai pas de nouvelle manette adaptée au PC. Je te remercie. Et ça, ça c'est insupportable par contre, j'arrive pas à le faire s'accrocher au bord et pas se foutre dessus comme un guignol. Ah, je suis mort. Ah putain, mais c'est un peu insupportable aussi, c'est quelques secondes d'attente avant de pouvoir reprendre, c'est lourd quoi. C'est compliqué, plus ça dure, plus on les ressent ces secondes. Je suis passé à 1 demi-centimètre, come on! Et non, qui s'accroche pas à cet endroit là par contre, j'ai juste envie de claquer ce garçon là. Je croyais que c'était fini, je croyais que j'avais réussi. Malheureusement, il sort sa charne. Il s'est pas mis contre la putain de plateforme parce qu'il a décidé de faire son animation de chute plutôt que bah, se mettre contre la plateforme. Ok. Bon, là. À partir de là, c'est plié normalement. Accroche-toi, merci. Là, je sais pas ce que je dois faire. Ah, je dois revenir en arrière. Putain, mais merde, quoi. Il aurait fallu que je regarde le niveau et que j'y réfléchisse avant de me lancer dedans, mais bon. C'est vrai que c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est les best case scénarios qui arrivent jamais. Et là, c'est bon. Je vais aller assez haut. Bon. Allez, à plus. Easy. Hop, ça m'a pris que 593 tries. Facile. On continue. Eh bah oui. Et je ressors. Ah non, je continue. Alors à chaque fin de donjon, je crois qu'on va avoir ce genre de tableau. Je sais pas trop ce que ça représente pour l'instant. Bon, c'est une divinité de toute évidence. Je sais pas. Je sais pas pour l'instant. Et là, je vais ressortir là d'où je suis rentré. Et je continue à droite, c'est ça? Ouais. On va retourner à la plage encore. Cette fois il y avait une plage. Ah non. On se réveille ici. Et là on va continuer dans la tour et vous allez voir que dans la tour c'est un gameplay un peu différent. Sur de la plateforme mais il y a des éléments de... Oui si je bouge pas ils savent pas. Il y a des éléments de... Comment on dit? De discrétion. Il faut pas se faire repérer par les ennemis. Sous peine de se faire buter sans sommation. C'est des espèces de ninjas qui protègent la tour j'ai l'impression. Bah eux. Lui tire pas. Lui a choisi de me laisser passer parce que j'étais un petit garçon, c'est ça? Il est gentil. Je me demande si on va être dans cette tour en train de... De faire ascension pendant tout le jeu ou pas. Je pense que oui, vu que ça a l'air de changer de style graphique, plus on monte dans la tour. Et avec les flashbacks, ça devrait, ouais, ça devrait faire le jeu, quoi. Ils disent qu'il est court aussi dans leur description, donc... Alors... Ok. Oui. Effectivement, oui. Je méritais ça. Alors, comment je vais faire, là? Sachant que le truc qui vole aussi me repère. Hein. Si je passe dans sa zone. Je course. Pourquoi j'ai fait ça en fait? Oh oui! Ouh, il m'a vu mais il ne peut pas me tirer dessus. Du coup il m'oublie en 2 secondes. Bon alors il y a cette merde là en dessous. Oh il m'a vu maintenant! Pourquoi tout à l'heure il me voyait pas à travers la plateforme et à un moment il a décidé qu'il allait me voir à travers cette putain de plateforme? C'est un grand mystère de la vie.
Ça a l'air de marcher. Pour des raisons qui m'échappent, ça a l'air de fonctionner cette technique. Allez hop! Ok, si je reste là, normalement il peut pas me voir. Faut que j'attende que l'autre il se barre. Allez, dégage. Je croyais qu'il allait se barrer, mais il s'est pas barré. Genre là, me lâcher, non? Non, je peux pas me lâcher de la plateforme. C'est exclu. Ah, mais comment je fais là? C'est chaud là, comment je fais? J'ai pas d'endroit où me cacher, je peux pas passer? Comment je fais? Ces conneries là. C'est quoi? On va faire ma technique. Ah bah non, ça marche pas du tout ma technique. Ah, ça va être insupportable ce niveau, je le sens venir, mais je le sens venir. Ah, j'ai peut-être compris quelque chose, il faut peut-être que je me débarrasse du drone avant. Si je me mets là. Il a pas tiré dans le truc cette fois, mais pourquoi je me fais niquer par le jeu comme ça, putain. Ta merde. Et là aussi, attendre à chaque fois, putain. C'est loin. Tire sur le putain, tire sur le putain de drone là. Pourquoi il tire pas là parce que je suis au sol? Ah si. Putain, mais pourquoi il a pas tiré pendant je sais pas combien de secondes, il était pas sûr que je sois mort. Des fois je comprends pas, hein, je l'ai déjà dit, mais. On va leur dire. Ok, bah nique-toi. Est-ce qu'il faudrait pas non plus le faire tirer sur lui, le bonhomme? Est-ce que je peux faire ça? Il a pas tiré dessus. Et va. Mais là, je fais quoi, sérieux? Genre, qu'est-ce que je peux faire? Putain de merde! Comment je passe? Ça passe! Je comprends pas, sérieux, je comprends vraiment pas. Je peux pas me mettre sur la plateforme à gauche, c'est pas une vraie plateforme. J'ai essayé d'y aller 10 fois, donc. C'est lui, il me voit là-haut, peut-être? Non, il me voit pas là. Ah, voilà. Génial. Je suis bien avancé. Ah, je sais pas. On va essayer ça. Ah, mais. Mais lol, déjà, non? Si je lâche un gros lol, ça se passe comment? Apprends à viser, s'il te plaît. Allez, à plus. Ah, mais ça plante, c'est ça que ça fait. Je croyais, moi, ça tirait, ça plante en fait. Smarter Everyday, épisode 1. Je t'ai vu, t'étais à moitié retourné, alors arrête ton bullshit s'il te plaît. Oh, je l'ai défoncé, on peut faire ça? On peut tomber sur les ennemis pour les tuer? Bah, je savais que je pouvais tomber sur les gardes, mais ça me prenait 10 ans, alors que là je rebondis sur les robots, très bien. Ça change les choses quand même. Oh non, par contre, calmez-vous quoi. Du coup, je vais buter lui. Et après, tout ira mieux dans un monde meilleur. Vous êtes prêts? On va juste attendre qu'il se retourne une autre fois, l'autre à droite là. Cours, 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 vite! Fou! Putain, j'ai cru que j'allais mourir parce que j'ai fait de la merde. J'ai réussi, bordel! Ah. Ah. J'ai hâte de voir le prochain tableau. Oh putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi, ces phases de jeu qui changent un peu. Dans lesquelles. Ok. Non, je vais faire ça clairement. Ok, bon bah je suis mort. C'est la première fois que je vais perdre cette phase de merde. Oui, l'écran monte tout seul. Et on doit du coup aller vite. J'ai fait de la merde. En fait, on perd nos petites plumes qui sont sur notre tête. Et pour les rattraper, et ben, on court et je sais pas pourquoi on est poursuivi. Par l'écran. Il se vautre. Fait perdre de précieuses secondes au passage. Ok. On arrive dans les tons plus chauds. Vers la fin donc. Et facilement. A noter aussi que le saut du personnage n'est pas analogique. C'est-à-dire que si je reste appuyé dessus, il sautera pas plus haut ou moins haut selon la pression de mon bouton.
C'est important, c'est le genre de choses importantes à voir quand même dans les plateformers, non? Ah oui, une autre subtilité de gameplay aussi, les zones d'ombre. Qui nous permettent de nous masquer de la vue des ennemis. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, lol. Est-ce que le 38 peut me voir? Ah, il bouge! C'est la vraie question. Attendre que lui revienne. Les ennemis me voient sur toute la longueur par contre, hein, si... Genre comme ça, là, si je fais de la merde. Je savais pas combien de temps il allait mettre à se retourner, ce gros débile. Ce qui est frustrant quand on échoue un niveau, c'est... devoir attendre comme ça, là. Les passages où on doit attendre et où on n'est pas maître de notre destin. On peut pas juste speedrun le truc. Si j'y vais direct, normalement... Ouf, 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 ouf. Ça passe tranquillement. Maintenant, pas faire le con. Et l'autre en haut, comment je vais faire? Lol, non? Ok, là je suis en sécurité. Je crois. Quand il se barre, j'ai peut-être le temps de courir. Ouais. Faut que je le suive en fait. En espérant que les autres en bas peuvent pas me voir. Genre là. Ah, ma manette s'est débranchée. Bordel! Je vais en acheter une, ça va pas traîner. Ça c'est vraiment le pire genre de jeu sur lequel ma manette peut me lâcher comme ça sans crier gare. Et c'est chaud quand même, hein. Bien chaud. Alors lui il faut étudier son... Non ! Ok. Si. Ah ok, ça passe comme ça. Fouf. Je suis content, parce que là je serais mort en haut, clairement. Je sais pas si on aurait pas arrêté la vidéo. Ah, hello, ça veut dire que je monte encore dans la tour, c'est bien. On progresse. Juste un truc, je sais pas ce qu'ils appellent court en fait. Comme jeu, j'imagine 2 heures, un truc comme ça. On va partir dans un autre souvenir, vous êtes prêts? Clairement les passages les plus beaux du jeu. Bon, l'histoire est très mystérieuse. Je sais pas pourquoi j'escalade cette tour. Très jolie forêt. Ah merde, commence à y avoir des phases d'infiltration là-dedans. Bon, j'ai hâte hein, d'aller faire ce donjon. Ah, j'espère qu'il va avoir le même skin que les autres. Oui, sans faute. Je croyais que j'allais pouvoir rebondir dessus. J'ai été bien foolish. Il fallait que je monte. Là si vous sautez, voilà, ça vous propulse. Ah, je suis pas parti au bon endroit. Si je regardais les flèches, ce serait tout mieux goupillé. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'on peut commencer tout de suite. On doit pas attendre la première plateforme, ce qui est bien. Putain, d'une force. Vite. Oh, là pareil. J'ai fait de la merde, mais c'est pas grave, je peux rester sur celle-là, je suis en lieu sûr. Faut avoir le timing là aussi. Hein. Hop! Ok. Ouf. Bon. Pareil. Je reste là-dessus. Ce qui va être chaud, c'est les plateformes en dessous qui m'inquiètent. Ah shit! Elle est pas sortie! Ah, c'est tellement chiant, putain! Quand on n'y arrive pas. Ah, c'est chaud. On va rester dessus. Hop. Pourquoi là, elle a mis 10 ans? Pourquoi d'habitude elle est... C'est-à-dire si on n'a pas le timing optimal du départ, là j'ai l'impression que ça devient plus chaud encore. Et j'ai vu la plateforme faire mine de sortir et re-rentrer parce que j'étais là. Insupportable. Insupportable. C'est pas grave. On va faire comme si de rien n'était. Aisé. Je devrais y aller direct là, non? C'est le timing optimal, je pense. Du coup, on va attendre encore un coup. Ok. Et là, ça me saoule par contre quand ça passe à rien, mais ça me saoule. Ça me saoule. Il faut que j'aille plus tard en fait, voilà.
Voilà, pas trop tard non plus, eh oui. Je suis mort. Tintin, oh, nouveau passage. Tintin, 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 tintin. Là. Parfait. Parfait. Eh, mais non, mais je peux pas aller plus vite. Putain. Il y a mon stop dans les conneries là. Mais je voulais bien sûr pas faire ça, je voulais pas. Putain. Non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté d'avoir fait de la merde. J'avais tout réussi. En fait, il faut pas s'interrompre. Il faut juste y aller comme un porc. Un vieux porc. Il s'est pas accroché. Et ça, par contre, j'en peux plus. Quand il fait ça, j'en peux vraiment plus, quoi. C'est pas normal qu'il s'accroche pas, là. Juste parce qu'il a... Il a déclenché son animation de chute, il veut pas s'accrocher. Ma grande frustration. La plus grande, hein, vraiment. Aisé. Aisé. Aisé, putain, voilà. Il faut juste, en fait, rusher le truc, c'est ça. Sinon, ça devient beaucoup plus dur, parce que le timing change. Ah, encore une autre fresque. Qu'est-ce que je veux dire, celle-là? Ok, donc il y a cette espèce d'être avant. Ils se sont fait tuer, il reste l'homme, c'est ça? Ou l'homme les... Ah non, l'homme les a tués. Enfin, je sais pas si c'est l'homme, mais un espèce de garçon, ouais, qui ressemble à un homme. A tué les divinités, donc. Il a bien fait. Si elle créait ses donjons, elle était sacrément sadique. Ouais. Allez, salut. Eh. Oh, petite cinématique. Après, on va s'arrêter. Pas non plus montrer les trois quarts du jeu. On va se calmer. Oh merde, je vais faire quelque chose, là. Ah oui. J'essaye de bouger, ma manette doit pas être branchée, je suppose. Ouh, bien vu. Le coup de la pierre, ouais. Et voilà comment il a rencontré sa femme. Cruel. Bon, je suppose maintenant on va la chercher. Et tout ça va nous mener à la tour au bout d'un moment. Et bah écoutez, merci d'avoir regardé, on s'arrête pas sur un plan dégueulasse. J'espère que ça vous a plu, le jeu est à 15€ encore une fois sur Steam. Et à plus pour d'autres vidéos, et salut. Merde, ouf. Vite. Ok, ok, vite, 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 vite.